Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Earth of Iron 4 avec la France. Et aujourd'hui, on va continuer notre assaut sur Ragman. Le Reich est quasiment tombé, Berlin est à portée de main. Pour ça, il nous fallait encore prévoir quelques offensives principaux. Pour réussir à percer, la frontière tchécoslovaque est percée, maintenant Prague est tombée. Oh, c'est 11 divisions. 11 divisions de plus. Où sont-ils? Où sont ces divisions en plus qu'il m'a offert? Non, c'est pas ici. Ça par contre, c'est tout que m'a foutu, je sais jamais où ils offrent tes divisions. D'accord, il y en a deux ici. Ben, eux, ils vont rejoindre déjà cette armée. Celle-ci est morte. Bravo. Comme toujours, on sait jamais où sont les divisions des alliés. C'est le plus gros défaut que j'ai à donner à ce jeu-là, c'est que les divisions, quand on vous donne des corps expéditionnaires, vous savez jamais où ils sont. Voilà. C'est ce que personnellement, c'est l'impression que ça me donne. Après, peut-être pas trop la fonctionnalité, parce que je suis pas un expert du jeu quand même. Je suis pas saigné tant que ça, j'ai fait quelques heures dessus. Ah, il doit avoir, on a vu une liste. On a dit que j'ai pas de trop d'options, mais on a vu, on peut voir on est toutes nos troupes quelque part, toutes nos armées. J'ai pas de trouver l'option. On s'en prendrait pas de moi. Non, vous arrêtez offensive là, mais... Ils n'arrivent pas à passer simplement parce qu'ils sont sur une rivière, faut pas chercher plus loin. Et voilà, comment emprisonner 9 divisions. Après, il y a deux possibilités, soit j'attends qu'ils meurent dans... Bon, c'est ce que je vais faire, je vais attendre, ça sert à rien que je force. Je vais prendre ces divisions là, je vais redemander une offensive. Oh oui, on va se montrer. Quoique. On va pas se montrer téméraire, on va rester dans du classique, voilà. Il va me préparer ceci. Et voilà, on a bientôt aussi une nouvelle division qui devra arriver, normalement dans la ligne de production. Usine, j'en ai 10 de plus. Je fais toujours pas. Parce que je sais pas à quoi louer du tout, donc. Plus ou moins léger. Je fais chier, je sais pas à quoi louer donc les usines. Donc quand je sais pas, j'utilise pas. Pas plus compliqué que ça. Et c'est vrai que vu que la Turquie ne peut pas rejoindre le Reich allemand sans. Il faut la guerre contre l'URSS pour qu'il puisse rejoindre. Je vais directement organisation ici. Le port de Singapour est suffisamment grand pour m'accueillir, donc ces divisions là vont aller là-bas. Et je remonterai à travers le Siam, je capturerai le Siam. Puis après, le Siam en plus qui doit avoir pas mal de ressources, non? Beaucoup de caoutchouc, donc le caoutchouc je deviendrai un... Ouais, c'est déjà pas mal. Mais c'est toujours bien d'en avoir plus. Alors je me montrerai ici, je recapturerai mes villes. Et je préparerai un débarquement amphibie directement là-bas. Oh! Quand on envoie des spécialistes, ça se passe tout de suite, mais de toute façon. Ici, on regarde, on voit que l'organisation va diminuer petit à petit, usure. Voilà. Petit à petit, cette armée-là va être à court de ravitaillement, et après, vous enverrez un assaut quand ils ont quasiment plus de ravitaillement, vous aurez quasiment pas de pertes. Eux, ils auront perdu toute leur armée.
Y a une division qui est pas en place, mais c'est pas grave. Ah, la Bulgarie pourra aussi. Aucune division en recrutement, ça veut dire que. Ah, parfait, 6 divisions de plus. Qui vont être allouées. Ici. Alors pourquoi je renforce là 13 divisions? Parce que 7 divisions pour couvrir autant de territoires, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, c'est pas possible, j'ai déjà limite là. Voilà, je suis déjà plutôt bien organisé. J'ai lancé offensive tout de suite pour en profiter, pour profiter encore davantage que j'ai sur eux. Puis après, une fois qu'Aromanani sera tombé, ça va découler tout seul, ça sera tranquille pour la suite, quoi. 87. Ouais, ils vont aller là-bas. Ils vont bombarder. C'est des usines que j'ai toujours pas bombardées à Poen, donc. Voilà, les usines. Plutôt les usines qu'avait l'Allemagne à Poen, je les ai toujours pas bombardées. Donc voilà. Mais carrément, ça arrive. Et les Allemands, ils sont vraiment de plus en plus tenaces, hein. Par contre, c'est logique aussi. Ah là, cette guerre. Très agréable. Et ici, on va déjà prévoir le plan d'assaut. Même pas. Ah non, le rage britannique a déjà réussi. C'est une rage britannique a déjà réussi. Je pourrais presque envoyer ma flotte déjà là-bas, quoi. Il faut savoir que le rage britannique dans les alliés, c'est considéré quand même comme... Quand moi, en tout cas, j'ai joué, quand j'ai affronté les Royaumes-Unis, ils mettaient que le Rage britannique était l'un des grands des nations adverses, ce qui m'a surpris, parce que techniquement, c'est juste un protectorat du Royaume-Uni. Bah bon, ils le considéraient comme tel, et j'étais obligé de le capturer pour... pour mes objectifs, donc j'ai capturé, et c'est comme ça que... C'est comme ça que j'ai fait en sorte, en fait, avec les Italiens, en capturant Rage britannique, en Royaume-Uni et la France. C'est comme ça que j'ai fait en sorte qu'ils capturent avant qu'arrivent en guerre des États-Unis. Donc j'ai récupéré le sud de la France, et Yougoslavie, la Grèce, dans cette histoire. Bon, Iconie, bien évidemment là. J'ai récupéré le Rage britannique. Bon, l'Allemagne a récupéré un peu le reste. Hein. Après le Canada, tout ça, bon, bah, ils s'étaient retirés de la guerre, ils étaient indépendants. C'est intéressant, j'avais bien aimé ce coup là. Bah donc là c'est quasiment mort, vous voyez, leurs blindés n'ont quasiment, quasiment regardé. Voilà. Les divisions elles vont jamais combattre, il y aura que cette division qui va combattre un peu. Voilà, fini. Fini. Voilà. Il faut une division d'infanterie là pour tenir. Et j'ai terminé mon nouveau plan d'action, pas mal. Encore une fois, une offensive qui se passe plutôt bien. Pour Théoser, priorité aux chasseurs. Cette fois-ci, il nous faut... Il faudra que je désengage une partie de mes troupes à l'ouest. Une fois que cette poche-là sera neutralisée, je vais dégager ses troupes, une partie de la ligne de front. Pour bien recaliser ma ligne de front là, et ça sera bien plus tranquille. Voilà. Donc les 16 divisions alpines qu'il y a maintenant se rallient Tchécoslovaque.
15, ouais, on manque une. Brave. Ils vont avoir comme or de prendre la Slovaquie. Qui malheureusement n'est plus qu'un état fantoche. Voilà, tous ceux vont participer à cette offensive. Ressources à tungstène. Tungstène, c'est une pénurie de tungstène. Tungstène, c'est tungstène, chrome, c'est les ressources moi qui manquent toujours dès que je commence à faire des chars moyens. Ce qui est ironique parce que pour moi, je pensais pas que c'était les ressources qui manquaient le plus. Le chrome, ça me surprend pas, mais le tungstène. Non, ça me surprend. C'est le tungstène qui surprend le plus niveau, niveau manque. Alors. Les troupes de garnison vont prendre jusqu'à ces troupes-là. Tac, 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 tac. Voilà. Et ils vont avoir comme ordre. Avoir comme ordre ça. Voilà. Autant vous dire que c'est une grande concentration de troupes pour attaquer Berlin. Après, c'est toujours plein de pays qui se partagent 1%, ça m'arrange. Je préfère toujours que ce soit plus, plusieurs pays qui se partagent 1% plutôt que ce soit un pays qui se partage 13%. Parce qu'ils auront moins de scores de guerre pour Slovaquie à cap. Déjà, la Slovaquie a capitulé. J'ai pris leur capitale déjà. Ah bah. Si c'est comme ça, hein. Bon bah, c'est cette division là. Excusez-moi, j'ai dû crier un peu au micro, donc ça a dû saturer pour vous, mais j'ai été ultra surpris d'apprendre ça, quoi, la prise de la Slovaquie. J'ai même pas lancé offensif que j'ai fait tomber la Slovaquie en fait. Sœur capitale, non? C'était sœur capitale, d'accord. Ouais, c'était hors capitale, c'est pour ça. Ah ouais, en fait, j'ai pris une seule ville, j'ai fait tomber hors capitale à faire régler, d'accord. Ouais, c'est du joli, quoi. Donc ici, on perd cela. Ah, on peut pas. D'accord. Ah, c'est des bois. Pas... J'ai cru que c'était une colline, mais c'est des bois. Comme toujours, les divisions... Maintenant, on va accepter toutes les divisions qu'ils nous offrent. Sont où ces divisions? Oh, y a une division là-bas, on ne sait pas pourquoi. Offensive là-haut, comme vous avez dit que ça allait mal finir pour eux, bah c'est mal fini. Là, c'est division. D'accord, voilà. Tout en même temps, si je trouve pas de division britannique quelque part. Hein. Peut-être hors d'île. Ah, peut-être là-bas, ils ont des colonies. De toute façon, Royaume-Uni, trouver troupes. Royaume-Uni, je vous le dis, c'est un bordel. Sans... Quand ils vous... Autant les autres factions, les Italiens, les Français aussi, c'est un peu le problème, mais généralement, les Français, c'est un peu plus facile à gérer. Excusez-moi, téléphone. Je m'excuse encore. Faudra que je pense à couper. Si j'oublie de couper cette partie-là au montage, je m'en excuse. Donc, voilà. Comme toujours, il manque des troupes pour lancer des offensives quelque part. Divisions.
Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, les Français, autant je trouve ça facile à gérer, parce que les Français, ils ont ça. Ils ont des troupes là, là, et là. Bon, ils en ont une à Madagascar aussi. Madagascar, on s'en fiche quand ils donnent des troupes. Vraiment, les troupes françaises, généralement, je trouve ça facile à trouver, mais les Britanniques, ici, ici, dans les îles là, ici, vous regardez. Tout là, il faut regarder dans toutes les. Tout ici. Dans. Ben, dans leur colonie. Donc, faut regarder là, 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 là. Encore les îles là-bas. Je vous promets, les Royaumes-Unis, quand ils vous donnent des troupes, c'est une usine à gaz. D'ailleurs, ça va devenir des destroyers. Quoi, c'est même destroyer deux? 4, 62, 4. Ah, ils sont meilleurs, ceux-là. Provence. Ça me surprend en fait que j'ai pas fait. Ah bah je sais pourquoi. Non, j'ai eu raison. Alors ici. Je sais pourquoi j'ai fait autant de convois, je vous explique. C'est justement pour ça, j'avais pas assez de convois pour justement anticiper cet assaut là-bas. Laisse-moi Paris, il sait pas comment y aller. Il sait pas comment y aller, toi. C'est ça, tu vas là-bas. Démerde, pas pour y aller. Je suis méchant avec mes divisions, je sais. Donc là, je vais lancer directement. Je vais lancer offensive à la main. Pour récupérer Sierra Slovaquie. Et de l'autre côté. Bah, là, on a vu une usine civile été sabotée. De l'autre côté, l'offensive générale, ça sera ça. Et on va repousser les ennemis à la mer sur Constanta. Mais une fois que la Bucarest tombera, ça devrait être bon en fait. Et voilà. Ici, ça va être bon cette poche. Ouh, pas mal d'usure là. Donc ces troupes-là sont mal ravitaillées ou il y a trop de troupes sur la région? Ok, en soi, ici il y a plein de divisions non ravitaillées. Donc je vais en profiter. Faut savoir que la Roumanie a comme une armée assez puissante. Hein. Faut pas croire. Donc l'armée pour Berlin va y aller. Il faut que je prenne Berlin, parce que sinon c'est Royaume-Uni qui va récupérer tout le territoire. Donc c'est pas ce que je veux. Oh cette guerre, c'est... Ah, les troupes qui sont pas en position. Voilà. Donc ici on voit qu'il se planifie. Ça prend du temps. Ah, Péniche débarquement, c'est parfait. J'ai toujours pas fait un nouveau destroyer quand même. C'est une erreur de ma part. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Parce qu'il rapporte beaucoup. Alors, qu'est-ce que prépare Gagman d'ailleurs? Rarement naval, c'est déjà trop tard pour eux. Ici, on va lancer offensive. Et je vais allouer 8 divisions de plus. Là, je suis dans le terrain montagneux avec des alpines qui sont quand même pas mauvaises du tout. Je pense que ça devrait tenir avec 1, 2, 3, 4, 5, avec 8 divisions. 8. Il y a une division qui participe pas à l'assaut. Ah là, il y en a une qui participe pas. Ah, j'ai réussi à faire une petite percée ici. Qui avance là. Si
s'ils rencontrent pas de résistance. Parfois j'aime bien j'aime pas qu'il y ait qu'une seule province, j'ai toujours peur qu'ils se fassent encercler, donc j'aime bien parfois en prendre un deuxième manuellement. Bon, ici la poche est en train d'être écrasée, soupçonne nos troupes. L'offensive va directement être lancée ici. Encore une usine qui a encore sauté. Ici ils disent qu'il y a un assaut qui n'a pas de division. Ok. Ici, bah si, il y a ces divisions là. Hein, bon bah je vais affecter ces divisions là à cette offensive là alors. D'accord, il veut pas. Le but c'est Berlin hein, de toute façon hein, les gars. C'est pas une autre région, c'est Berlin. Alors de toute façon, là, on va stopper toutes nos offensives. Là, le but, c'est Berlin. Je m'en fiche de comment vous y prenez. Vous me prenez Berlin. Faut que je prenne Berlin avant les Alliés. Enfin, avant les Britanniques. Parce que sinon, c'est les Britanniques qui vont récupérer tout le territoire et je veux pas. Que sinon ici au score de guerre ils vont encore récupérer un grand score de guerre alors qu'ils n'ont rien fait de la guerre. C'est moi quasiment depuis le début qui fait toute la guerre. Moi qui fais en sorte de gagner ce front là, ici c'est moi qui ai vaincu l'Italie. Je peux s'imaginer si c'est en compensation derrière, je passe. On a encore entendu une usine qui s'est fait saboter. D'accord, Union soviétique déclare guerre à la fin. D'accord. De mieux en mieux. Hein. Alors. Division hors ordre. Ici, on avance vers Bucarest. Même si là, on sort une grande résistance à ce niveau-là. Bon, après tout, 13 divisions. Même si les Alpines sont quand même des forces spéciales. Je vais pas exagérer un moment. Voilà. Comme ça on récupère quelques territoires, vraiment Et ici on arrête les offensives, ici on stoppe, là on s'assoit à la main. De toute façon si j'envoie pas mon aide, ils arriveront pas à prendre la ville, donc même dire j'exagère, mais c'est ça hein. Et... j'ai la plus grande armée sur le front là, là où ils ont fait un débarquement et ça peut être bien se retourner contre eux cette histoire. Allez on lance l'assaut, voilà. Ah, j'ai attendu qu'ils aient arrêté d'avancer l'assaut pour que ce soit moi qui lance l'assaut, comme ça si la ville est prise c'est moi qui aurai la ville. Ah, c'est tout un art, hein. Tout un art de gruger son adversaire pour récupérer les territoires. Donc, ici. Non, je vais même pas faire un front aussi large. Je vais partir d'ici. Voilà. Roumanie a capitulé. Comme toujours, ils mettent toujours en fait le dirigeant de votre pays, nanana, Russie à vaincre, nanana. À Schubert, les forces françaises sont entrées dans la capitale allemande, et celle-ci est tombée au terme de bataille livrée, nanana, sont retranchées dans l'Olympia. Nombreux soldats de la Waffen-SS sont retranchés dans l'Olympiastadium. Avant l'intervention des légions étrangères appuyées par artillerie et drapeau français, flotte désormais au-dessus de la chancellerie du Reich. Et malgré les combats sporadiques en période de la vie, toute résistance est tombée. Le Reich allemand a capitulé. Voilà. Donc déjà, ça c'est fait. Cette division-là maintenant va servir de garnison.
Enfin, même vous tous, regardez ça. Donc là, dans toutes les provinces qui sont pas à moi, ça sert de garnison. On va voir ce que ça donne avec ça. Ici, on va faire pareil avec la garnison. Tac, 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 tac. La Grèce a récupéré ça. Je comprends pas. Ah d'accord, la Grèce a débarqué ici, d'accord. Et mes Alpines ici, bon, elles vont lancer ben, les dernières offensives. Hein. Ils n'ont pas vraiment capitulé. Et temps de récupérer maintenant ce qu'il reste à récupérer. Donc ici, on a gros problème de ressources, je sais pas où. Ici, bon, on a trop de pétrole. Hop. Ici, on va apporter un peu de caoutchouc. Ironiquement, on manque de caoutchouc, ce qui est étrange. Mais... Non, ça on... Toc. On va se faire suivre d'ici. On va acquérir toutes nos troupes là. Voilà. Ah, c'est mes troupes là qui demandaient de se relocaliser. Ouais, c'est bon. J'ai peur d'avoir demandé à ces troupes là de se relocaliser en fait. Voilà. Là, on va au menu si tu veux. Tu peux demander de céder certains contrôles d'état, je dirais pas non. Et bah tu m'as pas, je présume. Autant dire que maintenant mes bombardiers sont sacrément futiles. Enfin, pas pour l'instant, parce que mes bombardiers stratégiques, ne vous inquiétez pas, je vais relocaliser. Je vais relocaliser et on va s'en occuper. Donc ici, on supprime. On va supprimer toutes les divisions. On supprime. On supprime. Tac. Voilà, j'avais une division. Ah, c'est pour ça qu'ils avaient aussi loin, eux, parce que j'avais déjà relocalisé en Rhénanie. Dans la région alpine. J'ai tout stocké et je relocaliserai maintenant des bombardiers stratégiques. Bah merci. Et normalement il doit avoir une base aérienne quelque part par là. Faut que je retrouve. Non, non pas. La plus proche c'est celle de Tonkin. Non, bon, oui. Voilà, tu lances offensive, gars. On va finir cette guerre. Hein. On va enfin, on va la guerre en Allemagne est déjà finie, ça c'est sûr. Hein. Et on va. Diplomatie anticapitaliste, très bien. Et on va regarder. La garnison commence à faire son travail. On voit que la répression fait son boulot. Ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon. Ici c'est pas bon. Alors on va regarder. Pour l'instant, les troupes manœuvrent, donc on n'est pas certain que c'est bon, mais par la suite on en sera certain. Toutes ces divisions alpines par contre... Ça va être étrange pour vous, mais vous restez quand même ici. Donc on va quand même... Elles vont rester quand même proches de la Bulgarie, parce que j'ai toujours peur, même si Grèce a capitulé. Par exemple, on va regarder le Reich. Je crois qu'ils peuvent encore faire de l'influence politique. Toujours chiant quand ils mettent en mode avion, quand je veux pas que ce soit en mode avion. Bah, ils peuvent continuer encore à faire ça. Et la Bulgarie. La Bulgarie. Normalement, tu peux demander. T'as pas un endroit avec la Bulgarie, normalement. Ou c'est les Italiens. C'est peut-être les Italiens qui peuvent le faire. Donc, c'est les Italiens, on va regarder avec les Italiens.
La Bulgarie, d'habitude, moi, elle rejoint l'Axe. Parce que globalement, bah, il est plus fasciste que. Voilà. Hein. Bah, pourquoi? Donc, ici, il y a énormément de répression. Là aussi, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, ça va être bon. Palerme, ça va être bon. Là, ça va être bon. Là, bon, c'est pas bon. Tant pis. Là, par contre, il faudrait vraiment qu'ils revoient leur mode quand ils réaffectent les troupes. Pour qu'ils affectent vraiment les troupes là où. Partout dans le territoire et pas. Par exemple, ici, j'ai pas besoin d'un moins 3, il suffirait que j'ai un moins 1, c'est suffisant. Là, par exemple, ça serait bien qu'ils en rajoutent une de troupes. Enfin bon, c'est là-dessus qu'on va finir pour cet épisode. J'espère que vous avez passé un grand moment en compagnie. Je vous dis à une prochaine fois, ça porte bien. Et à tout le monde, on va commencer à regarder cet épisode en ma compagnie.